السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا في راس البلد ورانا مع سمير. سليم. جو ميسكوز سليم. معليش. سليم جانا من مونبليار. اكزاكتومون في مونبليار و مونبليار لا بيتيت هولاند. لا بيتيت هولاند وجا حاوس يعقب راس العام هنا في الجزائر. Il a annulé les fêtes de la Noël. C'est un musulman, c'est normal. Mais les fêtes à la Noël. Je vois que j'ai un peu de temps. C'est normal. Qu'est-ce qu'on t'a dit à Rassel Am? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai fait les fêtes l'année dernière. Je suis venu au mois de décembre. On essaie de venir un petit peu chaque année au mois de décembre. Ouais. Et puis voilà, quoi, rester un petit peu de temps, passer les voir la famille. Voir la famille, passer le nouvel an ici. Passer le nouvel an ici, et puis voilà. Et de faire un tour. Si c'est possible, Tiani, je m'appelle Algi. Inch'Allah. Pendant les événements, il y a eu beaucoup d'événements ce mois-ci, mois de novembre, mois de décembre, des événements de la Palestine. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces événements-ci? C'est quand même dommage d'en arriver là, mais c'est comme ça, on regarde et puis on subit et puis on ne peut rien faire d'autre. Et puis notre cœur, il a. Surtout en France. Mais nous, les musulmans de France, notre cœur, il est avec la Palestine. Il restera toujours avec la Palestine, quoi qu'il arrive. Inch'Allah, Rabbi, Hela Hili Tahbis, Rondador, Kima Omar Deru Palestine, Hela Twili Lihoud. Petite question simple aussi. À la Kfira Silhouette, vous êtes venu il y a combien de temps que vous êtes ici déjà? Ça fait trois jours. Trois jours. Ça fait la pluie, vous n'avez pas vu la pluie ici. C'est dommage. Vous êtes aviré avec le soleil. Bien, on a fait France avoir un autre sebou le frigo le brd. Il y a plus. C'est un très beau temps, surtout ce mois-ci, c'est un très 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 beau temps. Ah, magnifique, il fait très beau dehors, le soleil, ça fait plaisir. Où je te goule, Nassami Gadine fait France, il y a des gens qui sont en France, ils veulent pas rentrer en Algérie. Ils veulent pas, carrément ils veulent pas. Soit ils aiment pas l'Algérie, soit ils ont des contradictions sur l'Algérie, je sais pas. L'Algérie c'est magnifique. Qu'est-ce que vous dites un message aux gens, surtout aux jeunes? Les gens sont accueillants ici, c'est la liberté, tout le monde rigole, tout le monde est heureux, il n'y a pas d'histoire, c'est magnifique. Il faut venir voir pour aimer, il ne faut pas écouter ce que disent les autres. Il faut venir de son propre cœur, on regarde le pays, c'est notre pays, il ne faut pas oublier. Et voilà, moi je vous encourage qu'à venir voir. Si ce n'est pas à Silhouette, allez à Stif, qu'il y a Bourg, il y a Geneva, il y a Alger, c'est immense. On a le plus beau pays du monde. Il y a le caractère aussi, le caractère des Français, le caractère des Algériens. Je vais vous donner un exemple. Parce que vous vivez en France et vous savez comment ça se passe là-bas. Le caractère français... Bon, quand vous voyez des Français, deux ou trois Français, vous ne pouvez pas leur dire bonjour, vous ne les connaissez pas. Non. Mais ici en Algérie, quand vous voyez deux ou trois bonhommes, salam alaykoum. Tu dis salam alaykoum, tout le monde. Attends, tout le monde. Les gens sont leur cœur est ouvert. Moi, je ne connais personne ici. Toute personne que je dis salam alaykoum, il me répond. On passe devant les gens, même si tu ne les connais pas. C'est ça, rien que c'est ça. C'est ça le charme de l'Algérie. Rien que ça, ça fait plaisir de venir. C'est ça l'Algérie. Personne ne fait la tête, tout le monde est heureux, c'est la liberté. Voilà, l'Algérie, je vous conseille de venir à Ras El Ouedda. Très important. La gastronomie française, algérienne. Qu'est-ce que vous en dites? Magnifique, hein? De la vraie nourriture. De la vraie nourriture. Un arélien misrani, le barboucha, le ham, le ham, le gawesh, il fait mon béliard, mais kenish. Le ham, barque, mardoum bel, doua ou la mère, le riche. Si c'est normal. Un ham, mec là, 100%. Magnifique. Naturel, bio. Bio, qui m'a gagné. On mange bio. Ah, bio, ouais. Ouais. Le marché, il est ouvert. On a deux ou trois marchés ici à Ras El Ouedda. Les vendeurs ambulants sont toujours. Les stagiaires sont pleins. China, Mandarina, Benin, Anjas, le Starbuck. Mleha. 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 Mleha.
bienvenue en Algérie et je vous encourage à venir en Algérie. Et pour la Palestine vaincra, inch'Allah. Et on viendra au bout, inch'Allah. Inch'Allah. Oh, merci beaucoup pour ce moment de plaisir. Rien. On n'arrête de rien. Ça nous fait plaisir rien que de ça voir. Ça fait beaucoup de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Et je vais lancer un message à mes amis. Et mes gens et les gens qui me regardent, je suis un peu malade, j'ai mes pieds qui sont un peu affaiblis, je ne peux pas marcher beaucoup, c'est pour ça que j'ai diminué mes vidéos. Mais prochainement, au mois de Ramadan, je suis en train de prendre des médicaments. Alhamdoulilah, je peux marcher, mais pas beaucoup. Je vais essayer de faire le possible sur le mois de Ramadan, de reprendre mes vidéos le mois de Ramadan. Ou mettez un like sur les vidéos, dire au j'aime. Ou partagez les vidéos, surtout le partage. Le partage, c'est très important, parce que plus qu'on partage, plus que les gens regardent les vidéos. Ou salam alaikum, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, kontou ma'a. Selim, Tamoubelia. Et je passe le bonjour à la famille Chergui et à tous ceux qui me connaissent et qui me reconnaîtront sur cette vidéo. Merci beaucoup et à bientôt, inchallah. Assalamu alaikum.